C'était du sacré voyage. Elle était vraiment fatigante. Oh. Mais enfin, ça mérite une bonne petite sieste. Oh, j'avais oublié de ranger mon balai. Ah, mais où est-ce qu'il est le balai? Ah, oh non, c'est pas vrai. Ah, il s'est enfui. Ah, il faut jamais baisser la garde quand il s'agit des balais magiques. Ah, je te jure quoi. Ah, je vais devoir le chercher partout. Oh, mais je suis fatiguée. Ah. Bon, on fait quoi de spécial? Rien! On fait rien! D'accord. Vous savez, je crois que j'ai une idée de la journée, hein? Non! J'ai dit on fait rien! Alors on fait rien! Squat. Bon bah, je déclare retourner à mon laboratoire. Non! Non! Quand je dis qu'on fait rien, tu fais rien! C'est moi le chef! Alors ta gueule! Il faut rien! D'accord. C'est stupide. Ouais, ma pout de camembert. Moi, je propose qu'on fasse la moule. Hé, hey, mais depuis quand tu es devenu un pédochat? Ah, oh. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah... Rien. Ok, d'accord. J'ai cru comprendre qu'il y avait un pédochat qui prenait le contrôle sur moi. Est-ce que par hasard, vous l'aurez pas dit le mot... Non. Non. Vraiment bizarre, j'ai cru me rappeler que l'un d'entre vous avait dit le mot qui me permettait de me faire de moi en poubise. Non. Poubise. Oh putain, sa mère. Aïe. Oh. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. D'accord. Bah c'est toi qui avais dit qu'on fout rien, donc t'as qu'à t'auto-plaindre toi-même, hein. Oh, toi, la ferme. Par contre, est-ce que c'est moi ou est-ce que Panthérose a une longue... Une longue quoi? Une longue... Une longue queue? Mais qu'est-ce que tu bagouilles par là? C'est vrai que le pénis de Panthérose est vraiment énorme, hein. Tu voudrais pas dire mon zi... Cunette? What the... À mon avis, il est en train de galoper sur une balai magique. Mais depuis quand? Je sais pas moi, qu'est-ce que j'en sais? Non, pas cette balai de merde! De quoi tu parles? De cette balai de merde! Je me rappelle, il y a longtemps, cette balai de merde m'a fait humilier! Ça mérite quand même un flashback! Flashback. Et toi, la fille, t'as n'a qu'à nettoyer avec un vrai balai, pas un balai comme ça. Très drôle. Tu crois ça, ça va? Oh putain, ça recule. End of flashback. Ah, mais j'étais pas là. J'étais là, mais sauf que Oggy, le pédochat, m'a pris le contrôle. Hein. Ça, on le sait. Hein. On va se débarrasser de cette merde. Merde. Hey, attends une minute. Pourquoi se débarrasser comme ça? Mais c'est pourtant évident. S'il fout la merde, il m'a humilié devant les tas de spectateurs. On doit s'en débarrasser. On doit brûler en cendres avant que les choses empirent. Non, justement. Ça me permet d'avoir une idée plutôt farfelue. Quoi, quoi d'autre? Oh, c'est pas vrai. Tiens. Quoi d'autre d'idée farfelue que tu as en tête avec cette balai de merde? Tu sais, on pourrait essayer de tenter de...
faire une tournée mondiale. Genre, on pourrait aller au temple pour dérober le cristal. Ou même encore, on pourrait essayer de d'aller sur le toit de n'importe quelle compagnie pour voler leur pognon avec cette balai. Mais c'est une idée vraiment géniale. Mais je veux pas faire telle chose pareille. Je veux pas braquer une banque. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais... Quoi? Boobies. Boobies. Alors, mes amoureux, on fait quoi de beau? On va braquer une banque avec cette balai. Ou bien encore aller au temple pour dérober une cristal. Oh yeah, en enfonçant le balai dans le cul, hein. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire en sorte que Oggy soit devenu un pédochat? Parce que, au moins, il se rendra même pas compte qu'on a fait le braquage ou qu'on a volé le cristal. Mais est-ce que selon lui, c'est mal de voler le cristal dans le temple? Bah, apparemment, ouais. Oh, et puis laisse tomber, hein. J'ai pas envie de trop réfléchir là-dessus, hein. Non, enfin bref, il est grand temps qu'on doit voler un tas d'argent vers une compagnie, genre Nintendo, Disney, Canal J, ou même encore Nickelodeon, Cartoon Network. On va le ruiner. Allons-y, pour le... Ça fait mal. Bon, on recommence. Toi, le balai de merde, tu vas nous conduire chez Nintendo, quoi. Il y a quand même un certain souci, mon gars. Quoi? Est-ce que tu sais maîtriser le balai? Bah bien sûr, je sais maîtriser le balai, hein. Ah ouais, presque. D'après les souvenirs, concernant le flashback, le fait que tu te fais autant... Oh, ta gueule! Ok, d'accord, on se concentre. Toi, le balai de merde, t'as intérêt à nous conduire vers le temple! Je croyais que c'était génial. Ta gueule! Alors, tu fais ce qu'on te demande! D'accord? C'est bien qu'il me semblait, hein. Il y a quand même un petit truc qui soit à peu près problématique concernant le balai, hein. Quoi? Quoi? C'est quoi le problème, hein? C'est que, d'après ce que je vois, tu manques de synchronisation envers le balai, magie, hein. Ou bien encore parce que je suis pas une putain de sorcière! Aussi. Mais cela étant dit, si tu veux vraiment prendre le contrôle du balai, il faut se synchroniser, hein. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de synchroniser avec un... Mauvais choix à l'état pur. Oh, la ferme! Ce qu'il nous faut, c'est de synchroniser avec le balai. Ça, je le sais! Mais de quelle façon? Déjà, il faut juste galoper sur le balai, essayer de faire le vide dans sa tête, en essayant de prendre le balai de façon délicate, en essayant de bien contrôler de façon mentale, afin que le balai puisse comprendre notre pensée. C'est complètement débile! Moi, je peux le faire, Boobies! Toi, tu crois vraiment sincèrement que tu vas réussir à galoper le balai? Laisse-moi rire! Bah, il peut toujours essayer. Vu que c'est un interdit pour Guy le pédocheur, j'aimerais bien voir l'humiliation! Boobies. Boobies. Je synchronise le balai. Alors, après quoi? Je crois qu'il a l'air de réussir. N'importe quoi! On n'a qu'à voir le résultat, hein? Ok! Est-ce que tu serais capable de voyager avec une balai sans te prendre une dégât? Okidoki. Boobie, je suis un pétoche qui câble sur un balai magique, Boobie. J'aime les boobies, que ce soit pour Panthéros ainsi que Diabolo. Oh, balala. J'adore de galoper sur le balai magie, ainsi que faire l'amour envers le monde entier. Même si je les connais pas, ça fait du bien à mon petit boobies.
sais. Mon petit Boobies, oh yeah, que serais-je sans toi, Boobies? Les Boobies, c'est ma vie, oh yeah, que ce soit pour Panthère Rose. Sans oublier Diabolo, ensemble à trois, on fera une bonne partouze. Mon petit chien, tu seras à moi, à moi. Ensemble à toi, on fera un bon amour. Ne sois pas jaloux, je penserai toujours à toi. Mon amour, quel extase. Mon petit boubis. Tiens, c'était comment cette expédition? Magnifique, j'ai emporté le chien pour essayer de faire l'amour, mais voilà, j'ai pas réussi. Quoi? T'as voulu essayer de faire l'amour avec un chien? Dis-moi pas que c'est un chien réel. Si, c'est un chien réel. Putain, mais t'as quoi dans la tête? Un chien réel, mais ça... Mais sinon, c'était comment? Est-ce que tu as subi le moindre dégât? J'ai pas confiance! Malgré le fait que tu as l'air de bien contrôler avec le balai, c'est pas toi qui va contrôler le balai! Ok! Je vais essayer de synchroniser avec le balai, hein! En faisant quoi déjà? Je te l'ai dit, en faisant le vide dans sa tête, ou en essayant de prendre le balai, essayer d'établir le contact entre le balai et entre toi. Mais pourquoi faire le vide? Tout simplement parce que le fait que quand tu fais le vide, tout devient calme. Et donc, c'est comme si tu essaies de créer une sorte d'établissement entre la connexion entre toi et le balai. C'est débile! Alors, je vais prendre ça et je vais faire autrement. Putain de balai de merde, c'est moi le maître! Alors, t'as intérêt à faire ce que je te dis, hein? Vraiment compétent, mon très cher Panthéros. Franchement, ça mérite un note de 10 sur 10, franchement, hein. Tellement c'était vraiment spectaculaire. Oh, et toi, t'as qu'à essayer, puisque tu trouves ça facile. Ok, d'accord. Vers le vide dans sa tête, et prendre le balai. Il va se planter. J'aimerais bien me concentrer. Tu es le victime. Tu m'as déconcentré, espèce de d'enfoiré, hein. Gna, si tu m'as déconcentré, c'est facile de porter la faute sur les autres, hein. Mais c'est toi qui le... Faut trois. Sérieusement, comment veux-tu que je me concentre avec un abruti comme toi? Je suis pas un abruti! Pas autant que Oogie, le putain chien! Je fais la boue avec le mule. Ah. C'est moi ou il essaie de. C'est pas un mur, c'est un sol, espèce d'imbécile! Sol, mur, c'est la même chose. Mais non, tiens, je te jure, quoi! À mon avis, il est le seul à pouvoir contrôler le balai, hein, vu qu'il est attardé et qu'il ne se rend même pas compte de la différence entre le bien et le mal, et que d'autant plus, il ne se rend même pas compte de ses stupidités, hein. De quoi vous parlez, mes amoureux? Mais on ne me dit pas que c'est lui qui va contrôler le balai, hein. Écoute, Portée Rose, je crois que malheureusement, il est le seul à pouvoir le contrôler. Pourquoi? Tu as réussi, mais sérieusement, pourquoi? Pourquoi lui? Parce que déjà, parce que toi, tu es un abruti, tu sais même pas comment contrôler le balai. Moi, j'essaie de me concentrer, mais avec tes remarques à deux balles, eh ben, j'arrive même pas à me concentrer. Et alors que Oogie, il arrive mieux à contrôler. Pas de carré, ça y est. Peut-être que c'est la bonne, hein? Parce que tu t'étais pas été assez concentré. Ok, très bien, Panthérose. Si tu fermes ta gueule et que je me concentre mieux avec le balai, c'est moi qui vais prendre le contrôle sur le balai. Mais en revanche, si tu me fais chier avec tes remarques de merde, eh ben, on va pas se discuter, ce sera Oogie qui va prendre le balai, hein. Pouah ! Essaie pour voir. Je te préviens. Si je plante, ce sera ta faute. Je prends les balais et... Concentration, concentration,
concentration. Ça a l'air de mieux marcher, hein. Tu es trop chitaine, c'est juste un coup de chance. Oh, Panthérose, je me concentre, s'il te plaît. Ouais, t'es vraiment un sale cabot, hein. Pourquoi est-ce que moi ça marche? Ça marche pas, alors que toi, oui. Laisse-moi me concentrer sur... Non, Ok, très bien, j'en ai marre, c'est Oggy qui va prendre le contrôle du balai. What? C'est pas juste! Ah! Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée? C'est un interdit, tu le sais très bien! J'ai une meilleure question, sincèrement. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas tout simplement demander au normal Oggy de prendre le contrôle? Sérieusement! Mais pourquoi cela? Parce que, sérieusement, Oggy fait n'importe quoi quand il est en pédochat, mais quand il est lui-même, il a de la conscience! Ben justement, il a de la conscience! Il va dire que le braquage c'est la merde, que voler le cristal c'est nul! Il va faire son gros rabat-joie de merde! Mais peut-être que qui sait? Peut-être que si on essaie de le convaincre, ce sera peut-être différent! Et c'est toujours comme toujours! Bon! Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble qu'on a fait un test entre moi, Panthérose et toi concernant le balai magie. Panthérose, il a totalement merdé parce qu'il est nul. Ta gueule! Moi, j'aurais pu essayer de mieux contrôler le balai si Panthérose n'aurait pas me cassé les couilles. Et il semble que c'est seul toi, tu as réussi à contrôler le balai. Tu voudrais pas dire seul mon côté pédochat a réussi à contrôler le balai? Je veux dire, je n'ai jamais essayé le balai, hein. Bon, si tu veux. Mais si toi, tu réussis à contrôler le balai en essayant le vide dans ta tête, en essayant de synchroniser avec le balai, tu pourrais peut-être nous aider à braquer une banque ou même bien encore voler le cristal, hein. Ok, d'accord, mais ce sera sans moi. Sérieusement, je ferai pas une telle chose pareille. Braquer une banque, c'est vraiment naze, hein. Oui, mais ok, d'accord. Mais et si c'est voler le cristal d'un temple? Là, c'est différent. C'est totalement différent. Parce que là, le cristal du temple, c'est avec nos efforts si on gagne le cristal. Là, c'est pas une crime. N'empêche que je le ferai pas, parce que bon, les temples étaient dangereux pour moi. Tu es vraiment sûr que tu veux pas? Hein? Non. Désolé, Oggy, mais... Boobies. Alors les amoureux, on fait quand le partouze? Tu sais quoi, Oggy? C'est toi qui vas contrôler le balai. Boobies, pour quelle raison? Parce que tu vas nous ramener à... aux industriels, aux compagnies, pour voler leur argent avant qu'on soit riche. Ça paraît génial. Comme ça, on fera plus de thunes pour les... pour engager toutes d'autres stripteaseuses. Ne m'en parle pas. Bon, bah, Panthéron, c'est Oggy qui va prendre le contrôle sur le balai. Ok, et c'est qui va devoir guider, hein? C'est une très bonne question. On pourrait peut-être le guider. Oh non, ne vous en faites pas, les amoureux. Je sais ce que c'est, les compagnies. C'est des grosses compagnies, genre Nintendo, Crotonet, ou bien encore Cartoon Net Weekend, ou bien encore Nickelolilol, ou même encore Microsoft Lock, ou même encore Sonic the Hedgehog, ou même encore Infogrames. Infogrames n'existe plus depuis longtemps, hein. Mais bon, tu as compris, donc c'est déjà bon signe. Alors, tous dans le bus. J'arrive pas à croire que le chauffeur en question soit Oggy, hein. Oh, la ferme! Oggy, tu pourrais nous... D'abord, nous emmener dans une compagnie genre Disney? Ok, d'accord, hein. Et pourquoi pas Nintendo? Apparemment, c'est la compagnie le plus riche au japonais, hein. Parce que Disney, ben voilà, c'est Disney, hein. Enfin bref, c'est parti. Let's go! Mais la chanson est cool. Ta gueule, non! Pff, vraiment, t'as pas de coup. One hour later. Ok, nous y voilà. La compagnie... Est-ce qu'on est au sommet de la compagnie? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh, moi, je suis sûr qu'on est dans une compagnie. Tiens, on va entrer dans le cheminée et après, on va faire la moule. L'entrée dans le cheminée? Depuis quand est-ce que les compagnies ont des cheminées? Bah, je pense que ça doit être... Qu'est-ce que je sais, moi? Je suis tellement fatigué par le voyage, hein. Pff. Oh, gros faiblard, je te jure. Peu importe. Mais plus vite ce sera fait, plus vite ce sera fini, voilà. Ah,
ça fait mal, putain! Hé, hey, les amoureux, alors vous allez bien? Ah, n'en rajoute pas! Mais en fait, c'est moi ou c'est sombre ici? Putain! Ah! Évidemment, on est coincé ici! C'est comme si on est dans un off-flag, dans un niveau de Mario Maker 2! Oh, ne mets pas de tes commentaires, Panthérose! Je vais tout allonger, mes amoureux! Oh, la vache! Les mecs, c'est moi ou pour une compagnie, pour une grosse compagnie industrielle, entreprise, vous trouvez pas que c'est un peu trop rétro? Et alors, Disney a toujours été coincé, alors pourquoi est-ce que... C'est vrai que ça a l'air un peu trop, trop vieillard cet endroit. Même si bon, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de trucs en bois dans toutes les salles, genre la table, la chaise, ou même encore le baril. Mec, est-ce que vraiment c'est vraiment une sorte d'entreprise ça? Le fait qu'il n'y ait pas une grosse couloir, le fait qu'il n'y ait pas de grosse table de réunion et... Attends une minute, est-ce que c'est moi ou... je sais pas, je suis totalement perdu. Vous parlez de quoi? On n'est pas censé être dans une compagnie genre Disney ou Nintendo. Ah ça... Attends une minute. Oggy, dis-moi, est-ce que tu sais ce que Disney veut dire? Ouais, Mickey, le souris pourri, oh mon amoureux, ah oui c'est vrai, ah le bon vieux temps. Épargne tes commentaires, c'est ce mauvais souvenir, avec Mickey et Missy qui n'arrêtent pas de me saouler, hein. Ok, sérieusement, sans déconner, Oggy, est-ce que t'es vraiment sûr qu'on est dans une entreprise, genre jeux vidéo, film, je sais pas, manga? C'est quoi toutes ces discussions interminables? Coucou, mon amoule. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu serais pas le chef de Disney? Quoi? Mais n'importe quoi, espèce de connard! Je suis Alvar, le chef des Vikings, et vous êtes chez moi! Par intrusion! Ok, on s'est mis d'accord, on devait être dans une entreprise, pas chez Alvar, putain de merde. Oui, mais c'est l'homme le plus sexy du monde, avec ses gros bidous et ses belles cordes. Oh, j'aimerais bien faire la boule avec lui. Quoi? Attends une minute, faire l'amour avec moi? Vous foutez de ma gueule, hein? Vous voulez un poil de vos gueules, c'est ça ce que vous voulez? Non. On se casse! Ouais, je vais faire l'amour avec lui. Je vais t'en foutre une espèce de... Aïe. Oh, attends une minute. Mais il est où le balai? Oh merde, il s'est envolé. Quoi? Non, c'est pas vrai, non. Mais pourquoi est-ce que... On aurait dû y penser avant. Comment ça? Oh, c'est toi le génie. Tu aurais pu y penser avant. Mec, tu as aussi une part de responsabilité à ce que je sache. Tu fais partie du même groupe. Oh super, tu mets la faute sur tout le monde. C'est la faute à tout le monde sauf à toi, hein. Bah à ton avis, on est dans le même groupe. On est dans la même galère, espèce de crétin. Wow. Oh là t'es vache mec, franchement. Oh là 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 là. T'as pas d'autre mot à dire parce que tu sais que t'as tort. Mais pas vrai, j'ai toujours raison. Comme le fait que c'est ta faute. Oh merde. Bon, il n'y a pas de quoi s'en faire de soucis, parce qu'après tout, il y aura toujours de cette machine-là qui va apparaître de nulle part. Et qu'on, parce qu'on sait qu'on est des héros, on sera sauvés par l'horrible Alva. Sauf qu'on n'est pas des héros. Et d'autant plus, vous ne méritez pas d'être sauvés, parce que vous êtes tous que des bandes de connards. Bon, sauf Oggy, hein. Donc désolé, j'avais pas prévu de faire un scénario sur le fait que vous êtes sauvés par quoi que ce soit d'autre. Parce que franchement, désolé, mais on sait très bien que voler quelque chose dans la maison, introduire dans la maison, dans la soirée, sans être invité, c'est pas bien, hein. Donc, tout ce que vous mériterez, c'est le karma, hein. Putain, merci, mec. Oh, merde. Et c'est ça que vous allez sûrement attendre. Non ! Ah putain !
Mais où est-ce qu'il est le balai? Quelle tête en l'air j'avais fait! Hein? Ah, le balai! J'ai eu si peur de l'avoir perdu. La prochaine fois, je vais faire en sorte de le ranger dans le placard. Heureusement que tout est bien qui finit bien, hein. Pélogue. Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? On a voulu introduire dans une compagnie pour essayer de voler l'argent d'une compagnie genre Disney, mais il s'avère que ton double de personnalité qu'est le pédocha nous avait conduire chez Alvar, et donc on est dans la merde parce que Alvar va nous dépenser à la façon John Cena. Attends, quoi? Mais j'ai même pas voulu... Est-ce que vous avez essayé de dire boobies parce que le fait que... Boobies... Ouais, c'est mieux, comme ça il ne pourra pas râler, hein. Parle pour toi, on va se faire défoncer. Eh oui, par le grand Alvar Cena. Aïe.